Bien le bonjour mesdames et messieurs, donc c'est parti pour cet épisode de la série Minecraft. Donc je tiens à m'excuser pour la semaine dernière parce qu'il n'y a pas eu d'épisode, parce que tout simplement j'ai eu un problème de santé qui est arrivé depuis la semaine dernière. Donc on va dire que c'est pas forcément la folie furieuse, la semaine dernière j'avais beaucoup trop mal pour pouvoir jouer. Mais il y en a visiblement que un épisode qui saute ça les dérange, donc du coup ils mettent des pouces rouges. Mais les gens, exprimez-vous. Les commentaires sont là pour ça, là, de mettre des pouces rouges et qu'on se dise bah ok, en final les gens sont pas contents. Parce que je pense que ça peut arriver qu'il y ait des fois des épisodes qui sortent par-ci, par-là, mais voilà, j'essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait les vidéos qui sortent. Donc j'ai fait une vidéo différente pour que je puisse être moins devant l'écran, parce que clairement, quand on a mal, on n'a pas envie d'être devant un écran, je pense. Donc j'essaye de faire en sorte quand même de faire les vidéos et de faire le contenu que je voudrais faire. Donc là, l'épisode, voilà, j'ai pu faire mon timelapse au début, donc vous avez vu le timelapse du terraforming, qui est tout autour de cette colline, tout simplement. Donc cette semaine, voilà, on va créer un manoir ici sur cette colline. Donc ça va être le deuxième timelapse de l'épisode. Et dans un second temps, on ira dans l'End, tout simplement, parce que j'ai envie de faire le dernier achievement que j'ai pas eu dans l'End. Et comme ça, comme je vous ai dit, chaque épisode, on fera un achievement pour essayer de faire tous les achievements du jeu avant la fin de cette série. Alors, tout simplement, j'ai quelques petits trucs à dire, c'est que, voilà, il y aura des maisons ici de ce côté-là et de l'autre côté de la colline, tout simplement. Et là-bas, vous voyez en face un peu, là, la terre. Je vais terraformer un peu ce côté-là parce que la rivière n'est pas assez, allongée, on va dire, assez large non plus. Parce que j'aimerais qu'il y ait un bateau qui puisse passer, parce qu'en gros, tout autour de cette petite petite côte, on va dire, je vais faire un petit muret tout autour. Ça va pas être une muraille, ça va être un muret parce que là, ça va être toutes les habitations qui seront en bas du château. Donc on va avoir toute la zone fortifiée avec le château et on a un marchand qui se balade. Ouais, j'ai pas rêvé. Je vais essayer de faire en sorte de quand même vous maintenir les épisodes, de faire en sorte que ça aille. Après, si à un moment donné, niveau santé, ça donne moins bien, peut-être qu'il y aura un petit moment où il y aura une pause. Parce que pour le moment, je sais pas trop ce que j'ai, donc c'est un peu compliqué. Mais je préfère vous le dire en avance, histoire que vous fassiez l'idée et qu'il n'y ait pas trop de gens mécontents s'il n'y a pas de vidéos qui sortent. Voilà. Parce que j'avais prévu au mois de septembre, voilà, de vous faire plus de vidéos, mais je sais pas si ça va être faisable du coup. Donc on va essayer de faire avec les aléas de ce que je vais apprendre et voilà, tout simplement. Donc moi, je vais vous laisser là avec le timelapse du manoir, les amis.
Et les amis, on se retrouve du coup tout simplement après le timelapse. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la construction. Mais voilà, moi je suis plutôt satisfaite. Il a de la gueule ce manoir, hein. Donc j'ai utilisé des matériaux que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser ensemble. Mais écoutez, je trouve que ça passe. J'ai utilisé de la concrete powder marron et clairement ça me choque pas plus que ça. Ça fait un effet un peu granuleux et tout. Je trouve que c'est appréciable. Donc il y a de la symétrie tout en ayant des choses un peu bizarres comme ici. Vous voyez où on a le toit parce que bah clairement j'ai pas fait un truc carré, voilà. Donc mais j'ai quand même voulu garder l'allure du toit que j'ai devant. Tout simplement. Et du coup, c'est assez sympa. Je voulais faire un toit qui fasse un petit peu arrondi en fait. Qui fasse pas aussi pointu que d'habitude. Du coup, je trouve ça assez sympa et ça varie. Donc, comme ça, on a la même façade là que de l'autre côté. Même si on n'a clairement pas les mêmes côtés quoi. Et c'est assez sympa. Donc, j'ai voulu faire des petits tours. Ouais, histoire de m'éclater pour ce manoir. J'aime bien. Il y avait longtemps que j'avais pas utilisé de la brique. Parce que j'en avais utilisé sur les toits là-bas de l'usine à poulet et l'usine à concrete. Mais depuis, j'en ai pas utilisé. Donc j'en ai farmé un peu, mais voilà. L'air de rien, j'ai quasi cramé tout le bois que j'avais. Surtout au niveau du bois de sapin. Donc il va falloir que je farme sévèrement pour le prochain épisode si je veux commencer à faire le quartier qui sera de l'autre côté. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc après, j'ai voulu faire un truc un peu plus dur en bas. Donc du coup, j'ai utilisé beaucoup de pierre en bas et après en haut, beaucoup plus de bois. Parce que voilà, j'adore construire avec du bois. J'aime beaucoup le matériau du bois parce qu'il y a beaucoup de variétés. Même si maintenant, au niveau de la pierre, maintenant on a beaucoup de dérivés. Donc c'est assez sympa. Mais je reste quand même assez fidèle au muret de cobble pour l'instant. Peut-être par habitude, mais bon, voilà. Après, au fur et à mesure de l'aventure sans Minecraft. J'ai envie de vous dire, on utilisera d'autres matériaux bien évidemment. Mais voilà, le manoir est fait. Donc la semaine prochaine, et ça c'est un hello fail les amis. La semaine prochaine, on va faire tout simplement des maisons de ce côté-là. Donc il y aura un petit timelapse. Et on fera une usine à poulpe. Et peut-être une usine à cacao également. On va essayer de je vais essayer de me trouver un biome flower qui est une rivière à côté, histoire de pouvoir tout simplement faire l'usine à poulpe et faire une usine à fleurs, à colorants, etc. En gros, pour tout faire dans la même zone, les amis. Donc la semaine prochaine, on va commencer à s'attaquer à ça. Parce que pour tout simplement continuer le quartier aquatique, j'utiliserai de la concrete. Donc voilà, pour utiliser de la concrete colorée, il sera bien d'avoir des fleurs, pour avoir des colorants assez facilement, quoi, on va dire. Parce que c'est un petit peu la galère sinon d'aller chercher les fleurs, genre à la petite cueillette et tout, vous voyez. Hein, et ça va me saouler, ça, clairement. Donc voilà. On va s'attaquer à ça la semaine prochaine. On va se faire une petite usine à poulpe, déjà, c'est sûr. Et si on a le time au niveau de l'épisode, on fera peut-être aussi une usine à cacao. Mais là, pour l'instant, je vais faire une petite ellipse, le temps d'aller dans l'End et de trouver tout simplement des forteresses. Et on va essayer de se faire l'achievement qui nous manque dans l'End, celui-là. Donc il faut qu'on l'évite à 50 blocs de hauteur après l'attaque d'un shulker. Donc normalement, si un shulker me touche, que je déclenche mes élytras et que j'envoie des fusées, il y a moyen que je monte de 50 blocs. Si je dis pas de bêtises, ça devrait le faire. Donc on va essayer de se faire ça, les amis, ok? Donc c'est parti. Et boue les amis. Non, je blague. Bon, alors, je suis dans une forteresse, donc j'ai testé la méthode que je voulais faire, où le shulker me touche avec son projectile, et en gros, je double saute pour pouvoir activer mes élytras, sauf que ça ne marche pas, les amis. Donc, du coup, j'ai opté pour enlever le plafond d'une forteresse, en gros. Une forteresse qui est assez grande, et j'espère qu'en allant en bas, tout simplement... Hop, j'espère en allant ici réussir. Tout simplement à atterrir à 50 blocs de haut. Ah, ça y est, ils m'ont touché. Allez, allez, les copains, on y va. On y met du cœur. Touchez-moi avec vos projectiles. Allez, allez. Ouh, c'est au niveau de la vie que ça va être tendax. J'aurais peut-être dû prévoir des popos. Ah, les amis, ça pue. Ça pue. Ouais. Ah, ça va, on perd quand même de la vie. Donc, on peut se régénérer. Allez, allez. Allez les gars, allez, je crois en votre potentiel. Allez, 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 go. Allez s'il vous plaît, je veux cet objectif. Allez. Ah les amis, je sais pas. Allez. On doit pas en être loin là les amis, hein. Allez, allez. Yes, on l'a eu les amis! Ah, trop cool!
Vous avez vu, on l'a eu. Ah, il y a un Shulker que j'ai pas buté là-bas. Par contre, j'avais buté tous sauf ceux qui sont dans la tour. Oh, c'est trop l'éclate. Oh, les amis, c'est trop bien. Donc voilà, la technique qu'Elo a utilisée pour pouvoir avoir ce fichu objectif. Waouh. Et ben voilà quoi. Objectif fait. Ah, c'est un que j'ai dû toucher. C'est plutôt pas mal, les amis. Alors, bah écoutez, moi je vais m'occuper de nettoyer la cage qui est là-bas. Oh, bon, on va peut-être aller voir les loots. Mais, tant qu'on est encore ensemble. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais. Les pioches, j'avoue que je vais pouvoir m'en refaire comme ça. C'est plutôt cool. Alors, je vais vous laisser là pour le moment. Moi, je vais continuer à farm un petit peu dans l'End. Et je vous retrouve un petit peu plus tard à la maison. Pour voir un peu ce que j'aurai récupéré dans l'End. Et tout le monde se retrouve du coup, voilà, après une petite excursion dans l'End. Donc, je suis contente. On a réussi à faire l'achievement. Donc, c'est plutôt génial. Donc, j'ai exploré un bon moment. J'ai utilisé pas mal de flèches et de fusées. Et clairement, on est revenu avec des trucs pas trop dégueulasses. Donc, tout d'abord, j'ai récupéré cette pioche dans l'End. Efficacité 5, c'est le touch raccommodage que j'ai déglingué parce que je voulais récupérer des blocs. Il manque plus qu'un solidité, elle est nickel chrome quoi. Bon, j'ai fini la mienne, bien évidemment. Là, j'ai creusé un couloir pour pouvoir remettre un portail au niveau des coordonnées de l'End, justement. Donc voilà, c'est un peu les matériaux que j'ai ramassés parce qu'il va falloir que je refasse le couloir, bien évidemment, de l'End. Donc, du coup, voilà, un peu obligé. Donc là, il y a des trucs qui sont un peu nazes, mais regardez, cette pioche, elle est pas mal. Je peux la fusionner, vous voyez, avec d'autres pioches. Donc, regardez, là, j'ai une efficacité 5. Elle a du mending aussi, donc on va éviter de les fusionner ensemble. Mais je vais me refaire des outils, clairement, parce que, bah, pourquoi pas, quoi. On a quand même des pelles. Bon, les pelles, c'est pas encore trop, trop le truc qui me manque, mais c'est vraiment les pioches. Quand on doit miner, comme là, j'ai dû miner pas mal pour la montagne, réparer tout le temps, c'est un peu la galère. Et voilà, je suis revenue avec tout ça de carapace de Shulker. Donc, c'est plutôt cool. J'ai ramené deux paires d'élytras en plus. C'est pas ce que je voulais de plus, quoi. Je voulais vraiment avoir des Shulkers, vous voyez, et ramasser un peu de matériaux. Mais voilà, on est revenu avec des trucs pas trop dégueulasses, j'ai envie de vous dire. C'est toujours ça de prix. Donc, on va pouvoir ranger tout ça dans la salle des coffres. Enfin, dans la salle des coffres. Si on peut appeler ça une salle des coffres, étant donné que maintenant, elle ne me suffit plus du tout. donc voilà, c'est plutôt cool, on est plutôt bien. Et je suis allée reposer encore les vaches, etc. pour pouvoir justement avoir un peu de bouffe en plus, quoi, vous voyez. Parce que là, je suis dit les moutons que j'avais dans les coffres. Et je suis allée voir au niveau de la laine, et franchement, ça produit bien. Il n'y a qu'un mouton par truc, mais regardez. Pourtant, dans la zone, j'y étais juste pour faire le quartier la dernière fois et faire le manoir. Donc, je trouve que ça produit quand même bien. C'est pas à profusion, vous voyez, mais je trouve que la quantité est quand même raisonnable. Donc, en vrai, si on veut vraiment la blinde de laine, on fait une dizaine de chaque couleur et on est blindé assez vite. Hein. Je suis assez impressionnée de la rentabilité de l'usine, vous voyez. Ah là là, on se promène, je me promène rarement en vrai dans le village. Mais c'est agréable de voir que les chemins sont faits, qu'on peut passer un peu n'importe où, etc. C'est plutôt cool. J'ai commencé à mettre un petit peu de DB par-ci par-là, mais j'essaie de voir les avis. Mais je vois pas d'usine. J'ai pas trouvé d'usine sur internet pour pouvoir faire une usine à B. Donc si un de vous a une idée ou a une vidéo qu'il a déjà vue où c'est vraiment une usine à B, bah, je suis preneuse parce que vraiment j'ai envie d'en mettre un peu partout et farmer à la mono c'est un petit peu chiant. On va pas se mentir. Donc là on a commencé à avoir pas mal de blocs d'algues séchées, il va falloir que je continue à en faire cuire. Mais voilà, on commence à avoir quand même une des bases des matériaux pour faire la zone aquatique, donc c'est plutôt bien. Elle va falloir s'attaquer à l'usine à Guardian très prochainement. Quand on aura fait le château les amis et tout ce qu'il va y avoir autour, après il va falloir finir la zone aquatique. Voilà, c'est les deux projets dans lesquels je me suis lancée pour cette série. Donc qui au départ était une série tuto bah, comment jouer dans Minecraft en fait, où j'expliquais les bases et ensuite bah, c'est devenu beaucoup plus une série build parce que bah voilà, moi c'est ce que j'aime dans Minecraft, c'est le build et je pense que au vu de ce que j'ai fait dernièrement, ça se voit quoi, clairement. Donc voilà, là la salle des coffres, elle est trop petite, vous voyez, trop petite, j'en peux plus. Donc j'en peux plus de cette salle des coffres, donc j'ai fermé aussi du bois. De chaîne, enfin de sapin, pardon. Donc 3 shulkers, plus ça, c'est ce qui me restait du manoir.
Donc voilà quoi, on commence vraiment à être ricrac, on a de la redonnette par-ci par-là parce que on n'a pas de place, des blocs d'os, vous voyez, pour pouvoir farmer du chêne, ce qu'il va falloir que je fasse pour le prochain épisode. Mais voilà, on n'a plus de place, donc dès que le château est fait, on s'attaquera à la salle des coffres. On va l'automatiser bien évidemment parce que bah c'est toujours bien. Comme ça on n'a pas un de le faire à la mano, on est tranquille. Donc je vais commencer à travailler moi un peu sur le château parce que je voudrais le faire pour l'épisode 50. On est à l'épisode 45, c'est dans longtemps, on va dire. Mais ça passe vite. Quand on a des épisodes à faire chaque semaine, peu qu'il y ait encore un petit pépin comme j'ai pu avoir. Et voilà quoi, c'est un petit peu la galère. Donc on va commencer à travailler un peu là-dessus. Mais voilà, la semaine prochaine, on commence un premier côté de quartier. On fait l'usine à poulpe. Et on verra après si on a le temps de faire l'usine à cacao, comme je vous ai dit. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. Ça aurait été beaucoup de blabla pour la fin, mais j'aime bien aussi vous parler de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on se laisse là. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de cette survie. Et à lundi pour une vidéo de Stardew Valley. Portez-vous bien, les amis. Bye bye, des bisous.